amusant, en même temps, c'est bien de montrer aux jeunes. Premier, c'est Nami Jujume, ou Gaku Jujume, Kata Jujume. Alors, en compétition, on ne le voit pas souvent. De temps en temps, on le voit. Mais... Donc, elle est à genoux, je contrôle. Kubikata, donc, ouais. Et jeune, il vient, hop, je le prends, pousse, et je prends là, et ça c'est 100% ça marche avec les jeunes, 100%, tous les coups ça fonctionne. Donc première chose, il faut dire, il ne faut jamais laisser contrôler haut, il faut rester droit, il ne faut pas baisser. Deuxième chose, il faut contrôler les jambes, il ne faut pas rester libre. Il faut constamment, pour l'embêter, que je n'utilise pas les jambes correctement. Ça, c'est important. Donc, il ne faut jamais mettre la main en haut. Il faut toujours contre les jambes. Ça, c'est ce qu'il faut inculquer. Il ne faut pas que j'utilise ce ressort. Voilà. Contrôle haut du corps. Je pousse. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il tombe vers moi. Là, je ne peux pas faire Nami. Donc, je juge jamais. Donc ce qui est important, c'est qu'il faudrait qu'elle tombe en à côté. Bon, elle tombe vraiment. En général, elle ne tombe pas autant, mais comme ça à peu près. Comme ça à peu près. Donc, il y a le pli. Maintenant, judogi est plus souple, donc on va se la prendre le pli. Et kata jujime, pardon. Kata jujime. Ok, je fais tout le même côté. Attention, ne pas pousser sa tête. Vous allez descendre le coude. Et... Ah, il monte. Attendez. Deuxième, c'est ce côté. Il fait attention. Donc je passe de l'autre côté normalement. Là. En passant à l'autre côté, je tire. Je tire. D'accord. Ça, c'est. Il ne faut jamais baisser au du corps. Alors, il dépasse la limite de ceinture, il passe. Donc, je chope la tête. Paf. Et je. Et ça, c'est hyper rapide. Tous les jeunes, 200% ça fonctionne. 200%. Au plus encore, ils sont petits coups. Petits coups tendres. Un costaud qui est costaud, il tient et puis fermé, on a dû le faire passer le bras. Non, facile. Bon, je suis cruel. Là, c'est ces petits doigts. Petit doigt qui prend là. Ah, pas comme ça, mais plutôt côté petit doigt. Donc, hop, petit doigt. Cette main, il va passer dessous mon bras et on monte. Tac. Ici, petit doigt qui passe et monte les mains. C'est ce qui donne. Ça, c'est le okuri erijime. Pas katara. Okuri. Presque comme katara. Pourquoi on dit katara, vous savez? Contrôle le côté. Ha! Ben, c'est ce que vous êtes japonais. Ah, c'est les ailes. Ça, c'est les ailes. Je contrôle le zèle et katarajime. Si je fais ça, c'est pas katarajime. On est d'accord là, parce que je ne comprends pas du tout les ailes.